Je pense à une œuvre de paysage dessinée par un artiste français du XVIIIe siècle qui s'appelle Simon Mathurin Lantin. Et qui est un paysage qui a l'air très vraisemblable, sur lequel on voit au premier plan le chemin qui longe un cours d'eau avec une rive gauche sur laquelle on voit un gros amas de rochers, une architecture qui surplombe cet amas rocheux, où en arrière-plan à droite de collines un peu pointues qui encadrent un coucher de soleil dans une atmosphère très crépusculaire. Paysage très vraisemblable qui en réalité est un paysage complètement imaginé. En fait, si on regarde les choses de près, on voit que les architectures sont fantaisiste, ce paysage tout à fait imaginaire et en même temps vraisemblable, très caractéristique de l'œuvre de cet artiste Lantarin, qui est surtout un dessinateur au XVIIIe siècle, qui pourrait paraître un peu banal et devenu une sorte de mythe au XIXe siècle. Ville. Enfin, il a été érigé en héros d'un vaudeville. Il est présenté comme un artiste. Et près de des boissons, talentueux mais misérable, passant son temps dans les auberges et les cabarets, vivant de des tâches ombres de son art même et mal. Et auquel il arrive des aventures un peu comiques, un peu légères. J'ai pensé à une chose, peut-être que ce personnage est un des héros de vaudeville, qu'il a avancé malgré lui imprécemment et qu'il a poursuivi pendant tout le 19e siècle. Peut-être a-t-il décidé de l'assumer pleinement. En faisant chanter toutes les personnes qui y travaillent, en voulant transformer finalement cet établissement dédié aux amants, en théâtre chantant en perpétuel spectacle en vaudeville. Et si finalement, pense Léon Varight, ce phénomène plutôt qu'une malédiction était une grâce, un bienfait, une chance, une boutade? Le fêtard Barbeau, le facétieux Chartrand, l'Antara transformant le musée en joyeux cabaret? L'inspecteur rassuré se sent alors envahi par une douce euphorie. Hélas, son optimisme est vite assombri. Dun dun.